Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au seul et vrai Dieu, maintenant et à jamais. Sa paix soit avec vous. On entend dire parfois que tous les hommes sont frères. Et c'est vrai, tous les hommes sont frères du fait qu'ils ont tous été créés par Dieu, le même Dieu. Mais si les hommes sont frères parce qu'ils ont été créés par Dieu, alors il faut en dire autant de toutes les créatures qui, elles aussi, ont été créées par Dieu. Ce qui faisait dire à saint François d'Assise, « Mon frère, le soleil, ma sœur, l'eau. » On voit qu'être le frère d'une limace ou d'une salade, ça ne va pas très loin. Surtout, ce qui nous donne à entendre que adorer Dieu en tant que créateur n'est pas l'adorer en vérité, c'est que la création elle-même ne peut pas rendre gloire à Dieu parfaitement, comme Dieu le mérite. Le plan du Créateur dépasse la création. Ce qui nous fait dire cela, c'est la présence du mal, du péché, dans la création, qui contredit le bien que Dieu commande. C'est la présence de la mort qui détruit la vie que Dieu donne gratuitement et généreusement. Il faut donc que cette création passe dans une nouvelle dimension où il n'y ait plus de mal, plus de péché, plus de mort, rien qui s'oppose à l'amour et à la bonté de Dieu, à la vérité de Dieu. Cet ordre nouveau, cette nouvelle dimension, et la rédemption que Jésus a accomplie par son sacrifice, où il a détruit le péché, assumé librement, volontairement, jusqu'à la mort de la croix, afin de pouvoir le pardonner et ainsi le détruire, le plongeant avec lui dans la mort. Au matin de Pâques, par sa résurrection, Jésus a donné à notre humanité, qu'il avait assumée, du sein de la Vierge Marie, une nouvelle dimension. Ainsi, il nous faut avoir une relation avec Dieu, notre Créateur, mais encore avec Dieu, notre Rédempteur. Le Verbe de Dieu fait chair, qui nous a donné sa vie, cette vie que nous recevons par le baptême. Et par le baptême, nous devenons enfants de Dieu, non plus donc seulement parce que nous aurions été créés par Dieu, comme toutes les créatures, mais nous devenons enfants de Dieu comme seul Jésus est enfant de Dieu. C'est-à-dire que Jésus n'est pas une créature. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Dieu qui a assumé notre nature humaine, en sorte que, par pure grâce, nous devenons, dans le baptême, participants de la nature divine. Mais ça ne suffit pas encore d'être baptisé pour être sauvé. Car ce baptême, nous le recevons donné à notre liberté pour que, à l'écoute de l'Esprit-Saint, celui-ci puisse se déployer, cette vie puisse grandir et porter son fruit qui est notre divinisation. Ainsi, il nous faut avoir encore une relation avec Dieu le Saint-Esprit au titre de notre sanctification. Écouter le Saint-Esprit pour être inspiré par lui, pour avoir les pensées qui étaient celles de Jésus, pour avoir les désirs dignes de Dieu, pour avoir une vie qui soit sainte et digne d'être assumée par le Verbe incarné. Être enfant de Dieu en vérité et pouvoir donc rendre gloire à Dieu en vérité, c'est avoir une relation donc non pas seulement avec Dieu le Créateur au titre de notre création, mais encore avoir une relation avec Dieu
le Rédempteur, au titre de notre rédemption, et avec Dieu, le Sanctificateur, au titre de notre sanctification. Avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, et avec Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu, qui nous fait passer de la création de la terre à la vie éternelle avec lui dans son royaume. De sorte que nous devenions vraiment ce que Dieu a voulu que nous soyons de toute éternité, c'est-à-dire des êtres vivants de la même vie que lui.